Altyazı M.K. Salut Salut tout le monde Ici Mathieu et ici Matravel. Présent Ça roule Ouais, ça va bien, ouais. Donc ici on est sur ce canapé pour notre Cannes Canapé. Euh, le festival international des jeux de cannes n'ayant mmh. pas lieu à cause de la pandémie. On a récupéré une grande maison, des tables de jeux, et nous jouons parce qu'on a récupéré aussi beaucoup de jeux. Merci aux éditeurs. Et donc Merci. on vous fait des retours sur ces jeux. Et cette fois-ci, avec Matravel, on va vous parler d'Eurogames. Et les eurogames, qu'est-ce que c'est C'est des jeux de gestion, d'optimisation, en général peu interactifs, parce que là, on va avoir quand même des jeux plutôt interactifs, mais c'est quand même des ressorts de planification. Ouais. Toi, c'est une, une catégorie que t'aimes bien. Hein. C'est ma catégorie préférée. C'est ta cam. Carrément, c'est carrément ma cam. C'est ton rail. C'est <laughs> c'est mon rail. C'est <laughs> ma drogue. <laughs> Non non puis avec des en plus avec des auteurs euh, des auteurs que j'apprécie énormément et qu'on retrouve cette année avec des nouvelles sorties et ben je te propose qu'on entame avec du lourd du Fisteer avec transition Cloud Age. ouais et moi je suis complètement fan je suis vraiment un grand grand fan de Pfister, tous ces titres m'ont vraiment emballé je suis limite à avoir son poster au dessus de mon lit tu vois c'est juste un petit peu pour, pour pour calibrer un peu un peu l'histoire euh, Great Western Trail j'adore j'y joue j'y joue tout le temps Dès que tu commences à de lasser, il y a une extension qui sort, qui amène une ouais. profondeur, euh, en plus, différente. C'est pas juste un habillage. Euh, Maracaibo, je euh, suis trois quarts de la saison. Euh, voilà, je suis super fan. Euh, tout, toute sa gamme de Black Hang Kong à tout, j'adore. Donc là, j'ai énormément d'attentes. I love Sky mmh. aussi. J'ai beaucoup d'attentes. Et notamment, euh, sur sa dernière sortie, où est-ce qu'il est rangé Il est là. Sur Cloud Age, qui n'est pas encore euh, sorti en VF. Oui. Donc on l'a testé en VO. On ne sait pas d'ailleurs hein, s'il va être édité en français. Je n'ai pas, pas d'infos. De... Moi non plus, je de... n'ai pas d'infos. Et donc, grosse attente. Donc, attention, euh, est-ce que ça va être bien ou Et pas De quoi ça parle Et de quoi ça parle Du coup, ça parle. On est encore dans le du, du post-apocalyptique. Comme hein. Flotillac, t'as bien C'est fou. Hmm. Que j'ai adoré. adoré. Petite pardon, parenthèse. Pardon. Mais. Euh... Là, en fait, euh, pollution, euh, terrorisme, euh, bon, en gros, il ne reste plus rien. quoi. C'est une super ambiance. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. Du coup, on a juste un plateau désertique, dans tous les mmh. sens du terme. Donc, ça va être mon premier petit bémol qui va être visuel. C'est vrai que même la boîte, hein, le laisse sous-entendre, on a, on a deux couleurs. Bah, sur le plateau, c'est un petit peu pareil. quoi. On va juste avoir un désert avec des nuages et pas grand-chose. Donc, c'est vrai que visuellement, on a du mal à s'accrocher. On va avoir quelques éléments de jeu comme ça, mais euh, où on va pouvoir avoir aussi une mécanique de, 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 de ressources, un espèce de petit plateau, limite vilain, quoi. Donc, on se dit, c'est pas grave, le vilain, quelquefois, peut être efficace si la mécanique, si la mécanique est bonne. La mécanique, on, a, on est sur un jeu avec plusieurs éléments. On va commencer la partie euh, par dépenser un petit peu d'énergie pour pouvoir récupérer de l'eau, parce que l'eau. C'est essentiel, surtout quand il n'y a plus rien. L'eau, c'est la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, on va avoir la possibilité d'avoir des cartes. C'est un mini deck building. On a six cartes en main. On va en piocher deux. Elles ont des valeurs. La plus grande valeur va nous permettre d'avancer sur le plateau de notre Zeppelin, notre zeppelin, C'est pareil. Et d'aller de village en village qui sont recouverts par des nuages. On va avancer, donc, du coup, sur le plateau. La carte la moins élevée, elle, elle va nous permettre soit de récupérer euh, un petit peu d'énergie, soit de récupérer une carte. Parce qu'on a aussi des cartes personnages qui, elles, sont dans notre main et qu'il va falloir payer. Qui coûtent très cher en eau. Hein. Mmh. C'est du 10 eau, du 20 o. Euh Donc, du coup, il va falloir qu'on stocke. Ces cartes-là vont, évidemment, donner des améliorations. Tu payes moins cher pour améliorer ton zeppelin. Tu payes... Euh, tu as plein d'améliorations. Je ne les ai pas toutes en tête, mais... C'est assez intéressant. Est-ce que le plateau finit par changer un petit peu Est-ce qu'on est qu reboise un petit peu ou pas Ou c'est toujours euh, désertique Ce qui se passe, c'est que le jeu est conçu pour être narratif et legacy. Sur une partie, tu n'as pas tous les éléments. Ce qui est cool, c'est que la tome déjà nous a rajouté quelques éléments par rapport au jeu de base. Mais du coup, dans l'histoire, peut-être qu'il hmm. qu y a des changements ou autres, mais sur une partie, non. Sur une partie, ça va rester limite un petit peu un peu plat c à, et répétitif. C'est-à-dire, okay. on va pas avoir des, des transformations énormes. T'as pas trop de tension, euh, quoi. Comme sur Flotilla, où euh, d'un coup, euh, bah, on passe de, de la plongée, ou après on va construire, carrément un village sur l'eau. Enfin, ça va carrément se transformer. Oui. Tout se transforme. C'est magique. Là, non. Voilà, on continue notre petit train-train sur, sur notre carte. Donc on a ça des, des mécaniques un peu un peu un peu rogue, et puis euh, notamment la deuxième chose qu'on peut faire c'est qu'on arrive dans un village bah on peut combattre éventuellement il euh, y a une force de combat ça nous fait gagner de l'eau euh, notre force de combat bah ça va être des cartes aussi personnages qui vont donner des combats et puis euh, notre zeppelin qui peut être amélioré éventuellement c'est des c'est des petites armes j'en déduis que t'es un peu déçu ouais ça se ressent déjà hein. ah ouais <laughs> sur mon ton bah oui je suis un petit peu déçu parce que j'ai eu l'impression un, un petit peu de, de faire la même chose tout le jeu. Mmh. J'avance, je combat, je prends de l'eau, j'achète des cartes. Je peux la faire. Ouais. J'avance, okay. je combat. Voilà. Et aussi, il y a deux parties. La première partie est très fluide. Mmh. On joue chacun notre tour, on joue même presque un petit peu en même temps. Donc c'est sympa. Et puis il y a la partie production. Donc là, il y a l'idée sympa de le joueur actif il va poser son jeton. Alors, il a le choix entre soit il va fabriquer pour pouvoir améliorer son zeppelin avec de l'acier, soit il va pouvoir poser euh, son jeton sur de la production pure. Alors là, c'est un petit peu rigolo. On a trois cartes qui représentent une ville vue du dessus, où on devine que dans cette ville, on va produire plutôt plus d'énergie, plutôt plus d'eau. Selon... Et puis, c'est recouvert en fait par un nuage. Il y a un petit film plastique qui se met par-dessus. Donc on devine. Là, et d'un coup, sur un jeu expert, on a un petit jeu de devinette. Alors on a qui ça va pas du tout plaire, qui qu m'ont trouvé ça complètement gadget. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Donc tu un peu d'estimer, Oh, il a l'air d'avoir beaucoup d'eau, je vais plutôt mettre sur l'eau. Donc voilà, soit tu construis, tu améliores ton plein soit tu vas chercher des ressources. Le joueur actif, il pose, et les autres joueurs, ils ont le droit de faire aussi une action pendant son tour. Donc ça c'est bien. Sauf que le problème, c'est que pendant le joueur du tour actif, une fois que ça c'est fini, le deuxième joueur, lui, il va le droit aussi de faire une action principale et les autres joueurs de le suivre. Et le troisième joueur, je te le donne en mille, il a le droit aussi de faire une action principale et les deux autres joueurs de le suivre. Et c'est sans fin. Donc à la fin, on est sur le tour du premier joueur mais dans l'action du deuxième joueur qui anticipe l'action du troisième joueur où tout le monde pourra jouer et on ne sait plus à qui c'est de jouer. Et ouais. c'est long. Et du coup, on a une phase rapide, une phase super longue. Et on a lu les règles vraiment, j'ai relu les règles dix fois. Enfin, j'en ai discuté. J'étais avec Fred. On se disait mais c'est 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 pas possible. Il y a quelque chose qui a l'air de clocher. Et a priori non. On a demandé à un spécialiste de l'anglais. T'étais d'accord. Mmh. T'es bien prévu. ouais, ouais, ouais. J'étais là. Donc euh... voilà. Et puis j'ai eu l'impression de pas manquer de grand chose non plus. J'ai souvent dans les jeux experts ce qu'on aime, c'est bah, ah, il manque toujours quoi. une ressource, c'est l'attention, c'est ah c'est presque, c'est on y était. Mmh. Et là non, j'ai eu l'impression un petit peu de... de ouais, c'est ce qui m'embête en général avec Fister, c'est que... Euh, il... Attention, je, je, je sais que, que tu as allumé des cierges mentaux euh, et que tu, tu sors la croix, va des retrousses satanesques. Mm. Voilà. Mais, euh, mais en fait, j'ai du mal avec son manque d'élégance. Mm -hmm. euh, euh, il rajoute beaucoup de mécanismes. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, les, les petits personnages, les jetons personnages dans Great Western. Pour faire le timer de la partie, c'est hyper lourd pour pas grand chose. Mm -hmm. Le train, c'est bien, mais ça sert pas à grand chose non plus. Mm -hmm. Et souvent, il ajoute des mécanismes, même s'il les imbrique, au lieu de se dire, OK, je vais faire un mécanisme hyper impactant. Donc pareil, l'exploration dans Maracaibo, moi, ça m'a laissé de marbre. D'accord. Mais. Là, je suis en train de brûler. Voilà, dans l'esprit de Mathieu, je suis en train de brûler. <laughs> T'as perdu des points, mais c'est <laughs> terrible. Ta carte maïs, là, elle s'est effondrée, Mathieu. <laughs> et donc, et donc euh, est-ce qu'il est est qu en est de même là Est-ce qu'il est qu a perdu sa touch Je ne sais pas. Bah, on est un petit peu dans cet esprit-là, sauf que moi, je trouve que dans ces autres jeux, ça reste sur la thématique, mmh. parce que les personnages, les cow-boys et autres, dans le Red western, tu vas les recruter. Euh, L'exploration, ça reste dans le thème. Euh... Tandis que là, euh... c'est plat. Il n'y a, y a, y a, ouais. a pas grand-chose. Bon, après, c'est le thème du jeu. Hein, tout est explosé, Il ah, n'y a plus rien. Il hein, n'y a plus rien. Bah, il n'y a plus rien. Et il reste quelques mécaniques avec un design assez moche. Donc, je dis pas qu'il est mauvais. Je... Pas Mais du encore, tout. Ça dépend du legacy. Si trouve Exactement. Moins, hein. Et moi, Atom a bien dit que lui, il a pris du plaisir. Il a pris vraiment du plaisir. Et c'est pas comme moi, un fan de, de Fighter. Donc, euh, du coup, euh, ça vaut vraiment le coup, peut-être, de le faire sur la longueur. Mm. Et peut-être de le découvrir avec un, un scénario. Et... Sur un one-shot comme ouais. ça, c'est plutôt décevant. Écoute, je vais te coincher. Et, euh, et je vais te dire, on va parler de exactement la même problématique avec un autre jeu. Ouais. Auquel tu as joué. Oui. Qui est Vampire Héritage. Et là. Ah, ah, ah C'est un jeu bon que n'a pas du tout aimé. J'ai subi. C'est un jeu. <laughs> <laughs> c'est un jeu de Legacy aussi. Oui. C'est un jeu dans lequel on va recruter un lignage de vampires tout à fait. pour influencer des conflits mm -hmm. et gagner des points de victoire. Et c'est un jeu dans lequel on va recruter des vampires sur une, une rivière. Et ça va, ça va être vraiment tout le jeu. A son tour, on recrute un vampire mm -hmm. et on joue une intrigue, soit de sa main, soit une des intrigues qui va influencer un des conflits et qui sont génériques. Et chaque joueur va incarner un des clans du, de la mascarade. Exactement. Et. Euh, c'est un jeu Legacy dans lequel on va transformer les vampires en vampires plus puissants. Ils vont gagner des pouvoirs. On va pouvoir garder des trucs entre les parties. Et ça, vous n'avez pas vu du tout parce que moi, ma, je, je joue pas avec cette boîte-là. Je joue avec la boîte de copains qui ont aussi la boîte. Et voilà. Donc, euh, on avait le jeu tel qu'il est en première partie. Et du coup, il est un peu sec, très sec, ouais. parce que c'est vrai que finalement, on va juste sélectionner des attributs pour influencer du scoring et c'est que ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, ce que j'ai pensé, c'est que en fait, il euh, y avait trois mécaniques assez assez simples mmh. où il y a une petite carte, tu as des majorités qu'on voit dans un milliard jeu, de jeux. Ouais. d'accord. Euh, en dessous, il y a une petite piste, euh, si le personnage a une couleur rouge, tu montes sur la piste rouge, si il a une couleur verte, tu rentres sur la piste verte, et puis tout le monde le fait, donc ça monte, ça descend, puis quelquefois tu arrives au bout et tu gagnes des points. C'est hyper aléatoire, selon moi. Et euh, une troisième piste qui m'a tellement passionné que j'ai complètement oublié. Je ne l'ai pas en tête. Euh, si, c'est la piste. C'est encore la plus sympa. Ouais. Encore, la plus sympa. Tu, tu montes et tu descends encore sur une piste. Donc, du coup, ça, c'est pas génial. Et puis là-dessus, hop, on a été habillé ça euh, d'un tout un univers de vampires avec une complication de pyramide Et en fait, j'ai juste l'impression que il faut choisir les trois bonnes couleurs. On m'aurait mis trois billes sur chaque carte. On m'aurait enlevé les vampires. Euh, et je l'aurais joué avec ma fille. Et c'était bien. Sauf qu'en fait, euh, la, la complexité du jeu vient là ouais. avec les parties. Puisque tu vas avoir des pouvoirs de pause pour les vampires une fois que tu les as transformés. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour marquer des points que, que les trois qu'on oui. a, qu a vues Toutes les trois parties, tu vas changer un des plateaux okay, et tu vas cool. le transformer avec un nouveau plateau, okay. un peu plus compliqué, hmm. euh, ou en tout cas plus subtil. Et moi, ce qui me plaît dans ce jeu, à titre personnel, c'est vraiment le jeu d'équilibrage parce que c'est un jeu de Kingmaker pur, mais en Eurogame. Oui. Et tu dois tout le temps réfléchir à, OK, je vais tirer la corde à moi, mais ça va forcément influencer le reste du monde autour de moi. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu de, de liens tissés et d'incertitude. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui en fait une de ses plus grandes qualités, c'est que tu ne peux, peux pas tout maîtriser. Et, euh, et c'est désarçonnant, tu sais que qu'il bah, y a des moments, tu dois faire un truc, c'est bien pour toi, mais c'est encore mieux pour les autres. Et c'est horrible, c'est un choix déchirant. Ah, non, et tu n'as mais... pas envie de le faire, mais il faut le faire. C'est dur de ne pas maîtriser pour moi, tu comprends. <laughs> <laughs> euh, moi j'en suis à la septième partie okay. euh, et du coup on a débloqué déjà deux nouveaux plateaux euh, on a vu du roulement on a, on a des, plein de, nouveaux, de nouvelles intrigues donc notre paquet d'intrigues il est vachement plus riche ouais. et, euh, et en plus de, de partie en partie tu peux changer de plan t'es pas assigné comme dans un legacy où t'as ta faction euh, normale là tu peux changer de faction euh, de, de partie en partie et a priori tu peux même agrandir les familles avec des nouveaux personnages hein, ouais, comme ouais, expliqué ouais. sur les héritages et tout ouais. Oh ouais, bah je te souhaite euh... une belle <laughs> campagne, Mathieu. Bah, n'y hein? jouerai pas avec toi. <laughs> Mais on y jouera pas ensemble, ça c'est sûr. Euh, on va passer à un autre jeu auquel tu as joué, qui ouais. est Polynésien. T'es Polynésia, est Polynesia, ouais. Ouais, j'y ai joué il euh, y, y, y a peu de temps. On est sur, euh... allez, on est en Polynésie. Quelle surprise euh, Qu'est-ce qui va se passer sur ce, sur cet archipel en fait Il y a un volcan et le volcan se prépare euh, à rentrer en, en éruption et du coup, ça va commencer à être un petit peu dangereux. Ça, c'est pour la mécanique. Donc, en fait, le, toute l'histoire du jeu, c'est on ne sait pas quand est-ce que le volcan va exploser et quand est-ce que le jeu va s'arrêter. Donc, il y a une tension. C'est vraiment la base du jeu plus que la mécanique, c'est la tension qui va avoir derrière. Qu'est-ce que je fais Est-ce que ça va bientôt exploser ou pas Donc, l'idée, bah, c'est de fuir l'archipel, construire des bateaux, faire euh, que tes meeples puisse s'échapper et aller sur les archipels euh, lointains pour être protégé. Alors déjà, on est à des lieu de Cloud Edge où tu m'as dit il n'y a pas de tension dès le début. Hein. Non, bah là c'est là c'est le c'est la mécanique même du jeu, c'est la tension je dirais presque. On peut pas appeler ça une mécanique la tension mais c'est en tout cas c'est un un axe fort. C'est un, ouais, un axe très très fort. Et donc du coup, bah les règles s'expliquent en 15 minutes. Donc euh, très grand avantage mmh. vraiment. C'est pas compliqué, je pense que tu peux jouer avec euh, avec des enfants à partir de 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 8-10 ans. Tu euh, T'as pas beaucoup d'actions. Tu peux soit déplacer euh, tes meeples, Qu'est-ce que tu peux faire Tu peux construire un bateau. Euh, tu peux récolter euh, sur les îles où tu as euh, où tu as tes meeples et les îles qui produisent évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Si mes souvenirs sont bons, euh, bah, évidemment, on peut prendre nos meeples sur notre plateau personnel pour les amener sur la fameuse archipel parce qu'on commence de là, juste en bas oui. du volcan. Euh, voilà. Le petit twist sympa, c'est que on a une piste et le premier joueur, du coup, euh, hop, va bouger le, le petit jeton. Et là, on a une valeur de 3 On a une valeur de trois pour l'ensemble des actions. Et chacun de toi, on va faire une action. Donc, tu veux construire un bateau, bah, ça coûtera 3, oui. Tu veux déplacer un bonhomme, tu pourras le déplacer 3 ou déplacer trois bonhommes de devant. Donc ça, c'est assez sympa. Et après, ça va bouger. On va avoir une valeur de 2 puis une valeur de 1 et puis la manche. On va continuer comme ça. Après, c'est l'éruption. Après, on va produire. Et après, on change de joueur. Oh, c'est cool. Donc c'est cool. Le seul petit bémol, c'est qu'on va peut-être avoir tendance peut-être à faire un peu la même chose. C'est-à-dire, bah, quand tu as, as une valeur de 3, tu vas plutôt déplacer tes bonhommes que plutôt d'acheter un bateau à 3. Ouais. Donc on peut avoir la sensation que tout le monde veut faire la même chose. Euh, à la fin, le plateau est vraiment rempli. Il y a beaucoup de bateaux, euh, beaucoup de meeples. Ça peut un peu gêner à la lisibilité. Euh, notamment quand on doit savoir euh, où sont nos bonhommes qui ont des ressources, souvent, ah, t'as oublié là. Et voire même euh, oui. à la fin, sur, le, sur les points de victoire, euh, on avait quelquefois un peu de mal à lire. Mais c'est un petit bémol. Hein. C'est n'est pas des parties très longues, hein, je crois, c'est 45 minutes, une heure ouais, ça les parties ouais. sont assez courtes. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, quand le volcan va exploser, tous les meeple qui sont sur l'archipel principal et les trois petits archipels devant, voilà, ils sont morts. Donc tu les récupères et tu les remets sur ton plateau, sur des petites cases où il y a marqué des points de victoire. 7 points de victoire, tu les auras pas. 6, tu ne les auras pas. 5, 4 à la fin, il te reste 3 points de victoire. Alors ça, c'est vraiment frustrant. C'est-à-dire, t'as j'ai 3 quarts d'heure pour trois points de victoire. C'est super rentable. Ouais, comme ICT où tu gagnes à 2. <laughs> voilà, c'est parti. Un... Ouais. Remboursé, heureusement, t'as eu trois jetons points de victoire, donc t'arrives à 8. Quoi. Mm. Non, j'ai fait un score de 14. Mais c'est vrai, c'est toujours étonnant ces jeux où tu finis entre ouais. entre 5 et 14 points. Tu dis, ah, alors que c'est débile, hein, parce que tu rajoutes un 0, ça fait entre 50 et 140. Mais voilà, t'as cette sensation d'avoir fait peu de points. Mais... Nous, malheureusement, on n'a pas eu cette tension parce qu'il s'est avéré qu'on était dans la configuration où on a pioché des cubes gris qui sont juste des roches. Et les cubes rouges sont vraiment arrivés tout à la fin, donc on a eu le temps de quasi faire tout ce qu'on voulait. Et peut-être une petite erreur de règle où on a un peu trop produit sur les trois premiers tours. Mais euh, je lui laisse sa la chance. Carrément, je lui laisse sa la chance parce que je sais que Cyril a vraiment beaucoup aimé. Il a joué avec son fils et à chaque fois, il a eu des tensions où il savait plus ce qu'il fallait faire à la fin, s'il fallait euh, aller chercher les trois points de victoire qui étaient sur les petites archipels cachés, ou alors aller sauver les, les trois derniers Polynésiens, euh, voilà. Et tu rajoutes trois petites cartes avec un petit objectif, voilà, qui vont même pas compliquer, et puis qui vont te donner un avantage, et c'est tout. Donc la règle, euh, bon, je l'ai pas vue, mais elle doit tenir en deux pages, hein, c'est vraiment chouette. Donc euh, je, lui laisse, je lui laisse une deuxième chance euh, sans problème. J'ai quand, euh, quand même apprécié. Oui. Il y a... Je pense que ça peut même être un, un bon jeu. <laughs> à voir. <laughs> Et donc, on va parler d'un dernier jeu qui était très intéressant, qui est la recherche de la planète X. La, la X. C'est toi qui as joué à celui-là. C'est moi qui ai joué à celui-là. Et donc, c'est un jeu euh, de logique. Est-ce que tu as joué à Cryptid Non, j'y ai pas joué. Okay. Non. Il faut deviner donc, hein, où est caché où est caché euh... le Cryptid. Okay. Et là, on est, on est vraiment dans le même genre de jeu de déduction, mais très euros à la fois. On a un système d'action à la Tokaido, c'est-à-dire que quand tu fais une action euh, qui est forte, bah, tu vas payer beaucoup de temps mmh. et c'est le dernier sur la piste de temps qui okay. va jouer. Okay. Et, euh, et on va poser des questions sur euh, un ciel euh, qui fait 360 degrés, sauf que tu n'as accès qu'à la moitié du ciel. Okay. Parce que bah, le soleil, l'orientation, l'ombre de la Terre, tout ça, tu n'as accès qu'à la moitié du ciel et tu dois chercher. En fait, c'est le soleil qui t'empêche te, de voir ce qu'il y, qu y a derrière. Et tu dois chercher cette planète, cette planète 10, et tu dois localiser les différentes choses qui sont dans les secteurs, dans les 12 ou 18 secteurs, si tu joues en mode expert, mm -hmm. qui sont autour de toi. Et, euh, et donc, tu vas simplement scanner pour trouver le nombre d'objets d'un certain type dans une plage, ou alors tu peux demander une règle. Et on va te dire, ah bah tiens, les comètes et les astéroïdes, ils ne peuvent pas être en face. Et comment tu scannes C'est un système de cartes Alors, c'est pas un système de cartes, c'est une application. D'accord. Et l'application, en fait, tu vas lui dire, je scanne tel objet, sur tel plage, et là, elle va te dire comment ça marche. D'accord, donc ça, c'est fun. Ouais. On peut jouer sur le même, le même appareil ou des appareils différents, il y a un code de partie. Tu vas okay. rentrer simplement, et puis après, nous, on avait tous les deux notre téléphone, enfin, on était mm -hmm. en équipe, euh, il y avait une équipe et une personne seule. D'accord. Et donc, on avait, on avait chacun un téléphone, on aurait pu jouer sur le même, ça marchait aussi, donc ça, c'est plutôt agréable et plutôt très souple. Et fait notable, tu, peux, tu vas commencer avec un certain nombre de règles. Tu vas dire, ok, je veux commencer... En génie, tu commences avec zéro règle, zéro truc qui est placé dès le début. Ou alors tu peux dire bah, je vais commencer en débutant. Je vais avoir huit corps célestes qui vont être éliminés, qui peuvent pas être à ces endroits-là. D'accord. Et tu peux le faire sur la même partie tu peux avoir des niveaux différents. C'est-à-dire que si tu joues avec un môme, eh ben, tu peux lui dire eh ben, tu as un petit avantage. Ok. Et ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. Un, personnage peut avoir un, euh, un, un joueur, joueur peut avoir un avantage ouais. et l'autre non. Oui. D'accord. Est-ce que tu appelles les règles c'est en fait des indices qui te permettent d'éliminer oui. certaines oui, oui. localisations ou certaines planètes, c'est ça Oui. Ok. Et pour remporter la partie, il va falloir que tu euh, localises la planète X, mmh. euh, qui est malheureusement un peu invisible, donc ça va être dur de la voir. D'accord. Et donc tu vas essayer d'éliminer les endroits potentiels où elle ne serait pas avant de la trouver. Et pour la trouver, il faut aussi savoir ce qu'il y a dans les secteurs à côté. Ça, ça change tout parce que ça, ça t'évite de faire une déduction aléatoire et ouais, ouais, te, te dire c'est bon j'ai gagné et en plus tu vas publier des théories un peu comme dans Alchimiste mm -hmm. euh, qui est sorti chez Yellow là tu vas publier des théories sur un secteur, tu vas dire bah, dans ce secteur je pense qu'il y a des astéroïdes dans ce secteur je pense qu'il y a euh, une nébuleuse et ces théories elles vont être euh, placées euh, sur, euh, sur une piste et elle va progresser cette piste okay. avec la partie et quand une théorie arrive au bout d'une piste on vérifie si elle est vraie ou pas D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors si elle est vraie Alors, si elle est vraie, tu gagnes des points. Ok. Si es le premier à l'avoir émise, tu gagnes un petit peu plus de points. Si elle n'est pas vraie, eh ben tu perds du temps. Et tu gagnes pas de points. Ok. Donc ça, c'est une autre piste de points de victoire en quelque ouais. sorte. Mais Mais c'est pas très convaincant parce que en <laughs> fait, tu vas avoir un moment où tout le monde doit émettre une théorie. Mmh. Et finalement, on a fini à égalité sur le deuxième tie-breaker. Ça, ouais, c'était un peu dommage. Quand tu étais tout ça pour ça, quoi. Ouais. Ok. Mais n'empêche que c'est vachement agréable. Et quand t'as le puzzle qui se met en route, t'es en train de dire, attends, si c'est pas ça, c'est ça. Donc là, ça peut pas être ça. Euh, là, ces astres, ils doivent être groupés ensemble. Ou alors ils doivent être séparés, mais à telle zone ou à telle zone. Et en fait, t'as tout qui se met en place. C'est vraiment un truc où tu te dis, il y a de l'harmonie dans l'univers. Es c'est quasi, en fait, quasi une enquête, quoi, en fait. Ouais, c'est une enquête. C'est ouais, clairement ouais. une enquête. T'élimines des suspects, euh, t'as <laughs> des indices. Euh, et euh, l'expérience est super chouette. Euh, on peut y jouer en solo aussi. Ok. Euh, Ça de prêter, ouais. Je pense pas que je rejouerai en mode normal. Mm -hmm. Alors, en mode 12, 12 secteurs. Je pense que j'ai direct envie de passer en mode 18 secteurs. Mais après, euh, clairement, pour une première partie, 12 secteurs, c'est cool. Ok, très bien. Et bien, très bien, effectivement, puisque nous concluons cette vidéo sur les Eurogames. On okay. espère que vous avez apprécié les avis de Mathieu et les avis de Mathieu. Mm, c'est nous. Euh, c'est nous. Les frères Dupont. Et euh, si vous avez apprécié, si vous voulez rajouter des choses, parce qu'on n'a pas forcément abordé euh, mmh. tous les aspects, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à passer sur Tipeee, ou encore vous pouvez visiter le site web ludovox.fr pour voir tes fabuleuses règles express, Merci. mais aussi euh, les, 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 les articles, tous les contenus, les articles, les Just Play, les tests et les news. Ouais. Merci d'avoir suivi euh, cet épisode du, canap du can canapé. Et à bientôt sur les deux de Ciao, à bientôt mmh. Mmh.